Ils se sont tous, ou presque, retrouvés à Clarence House dans la soirée du mardi 14 novembre. La raison? Les 75 ans du roi Charles III. Le monarque était bien entouré pour l'occasion puisque, en plus de son épouse, la reine Camilla, de son fils aîné, le prince William, et de sa belle-fille, Kate Middleton, étaient présents la princesse Béatrice, Zara et Mike Tyndall ou encore Lady Sarah. Si la non-venue du prince Harry et de Meghan Markle n'était pas du tout une surprise au vu des relations tendues entre eux et le roi, une absence a, elle, fait parler, celle de la princesse Anne. La sœur de Charles III avait des engagements à Glasgow, en Écosse à cette date. Elle a d'ailleurs terminé la journée par une apparition au forum de la semaine interconfessionnelle écossaise à l'hôtel de ville de Glasgow. Une autre absence a été remarquée par les observateurs. Le frère du roi Charles III, lui aussi absent, le petit frère du roi Charles III, le prince Edward, n'était pas non plus présent aux célébrations de Clarence House. Le duc d'Édimbourg se trouvait, en effet, à l'autre bout du monde, à Singapour. Il assistait à une réception pour la Fédération des Jeux du Commonwealth au Swiss Hotel Stamford. L'épouse d'Edward, la duchesse d'Édimbourg, était également de sortie. Elle se trouvait à un dîner à la cathédrale de Rochester le soir de cette fête d'anniversaire durant laquelle Charles III aurait reçu un coup de téléphone chaleureux du prince Harry. On ne sait pas, en revanche, si le prince Andrew, qui ne fait plus partie des membres actifs de la famille royale depuis 2019, était sur la liste des invités pour l'anniversaire de son frère. Cette journée forcément particulière a été très remplie pour le fils d'Elisabeth II. Le roi et la reine ont lancé le Coronation Food Project lors de leur visite dans un centre de distribution alimentaire dans l'Oxfordshire. Avant sa fête d'anniversaire privée, Charles a également accueilli environ 400 infirmières et sages-femmes lors d'une réception au palais de Buckingham. Ce n'est qu'après que la famille royale a pu célébrer son roi lors d'une soirée qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence. I just need